L'heure est aux perles d'internet sur TS Radio pour la continuité du Soir Tard Show. Sébastien, t'es encore là? Je sais pas ce que tu fais avec ton micro, tu l'as encore connu contre ton nez. Bah, mon tarin. Maurice Tarin. Il fait un peu airbag. Il fait un peu. Un peu, c'est le mot, un peu. Je t'écoute, qu'est-ce que t'as à nous proposer cette semaine? Ouais, j'ai 5 petites perles du net. Eh bah écoute. On va commencer avec la première. Merci. Alors, le titre, c'est des Springles douloureux. Oula. Cela fait une semaine que ma compagne a commencé à pratiquer la fellation avec des chips Springles dans la bouche. Elle adore ça, mais à chaque fois que sa bouche fait faire un va-et-vient, les chips se font de minuscules entailles sur mon sexe. Oh. Et avec le sel, ça pique. Elle pense ça stimulant autant pour elle que pour moi. Et comme elle a l'air contente de son idée, je n'ose pas lui dire que c'est douloureux. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Je suppose que l'idée ne vient pas de nulle part. Et si oui, suis-je le seul à trouver cela douloureux? Comment lui dire? Aidez-moi. Ah mais quelle elle idée de faire ça dans n'importe quoi. Les Springles, ça se mange, on fait pas de fellation avec. Non mais apéro. À quel moment tu manges tes Springles, après tu te laves les dents et puis c'est bon, hein. C'était passionnant, merci beaucoup. Chérie, ce soir apéro, Springles, fellation. La deuxième perlouse. S'il te plaît. C'est le mec, il aime ça et après il va se branler avec, tu vois. Dans le tube de Pringles. Oh, c'est de la bonne. Oh, les chips de barbecue. Oh, oh. On est en train de le perdre. Au piment. Ça pique, hein. Allez, alors, la suite. La deuxième perlouse, le titre, c'est Mon bébé peut-il être enceinte? Oula. Oh putain. Encore pire. Alors. Mon dieu. C'est le pseudo Florencia81. Super. C'est le pseudo La Touffe de Ouest. Alors. Le texte, c'est bonjour. Le texte, c'est bonjour. Je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte? Par exemple, si je fais l'amour pendant ma grossesse, le sperme peut-il aller dans mon bébé et la mettre enceinte? J'ai posé la question à mon docteur. Il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. Et réponse d'une internaute, uniquement si c'est une fille, je crois. Mais la réponse est logique. Elle, c'est marqué. Okay. C'est marqué la touffe des boisies. Non, non. Oui, bah alors la réponse elle était logique. Non. La touffe des boisies elle est partout. La troisième perlouse. Le titre c'est Attiré par les clés. Alors je suis sexuellement attiré par les clés. À chaque fois que je vois une clé, je peux pas m'empêcher de me branler. Que ce soit une clé porte ou une clé mécanique, je me la fous dans le fion et je jouis. Je les lèche, les suce, on joue à Star Wars. Bit plus clé, c'est grave. Et une réponse, tu as été agressé sexuellement par un Fort Boyard? Par Passepartout. Il passe Passepartout, Il est passé encore, il est passé. Il a fait une Vince. Pourquoi? Passe-partout. Oh, le grand. Le quatrième parlouze. C'est mieux, hein. Alors, le titre, c'est J'aimerais devenir un cheval. Ouais. Je désire fort de me transformer en cheval pour me monter par ma maîtresse. Le cuir, le métal, l'odeur du fumier me font partie des accessoires de ce désir mortel. L'odeur du fumier. Et je pense que le dernier est pas mal. La dernière, c'est le titre, c'est l'effet ventouse. À l'aide, je vous explique la situation. Oui, vas-y. Il fait très chaud, nous sommes en vacances, et il y a environ une heure, nous étions dans la piscine. Très excités tous les deux, on a décidé de se branler dans l'eau, et encore mieux, de faire l'amour. Seulement voilà, avec l'eau et l'air dans mon vagin, un effet ventouse s'est produit et nous voilà bloqués. S'il vous plaît, ne rigolez pas. Je suis assis sur lui, la chaise tournée à l'ordinateur. Il a la tête dans mes nichons. On a beaucoup de mal à se déplacer. Il en a marre de me porter pour faire 3 pas. De plus, je commence à avoir envie de pisser. Et lui encore plus. Il a commencé à pisser dans mon vagin. C'est terrible. Le savon ne marchait pas. On a tout essayé. Que faire? J'ai 17 ans et lui aussi. Pas question de le dire à papa et maman. De toute façon, ils vont voir ce soir en rentrant du boulot. Faut mettre un doigt dans l'anus. Ça décoince, il paraît. Oh bah alors. Attends, je peux te le dire tout de suite. Attention. T'allais pas partir. Et voilà. Pour faire un appel d'air. Est-ce que c'est toi qui a marqué la réponse, non? Bah, c'est pas marqué la touffe de Wazi, non? Oh, bah. C'est marqué la touffe de Wazi partout. Je vais lui répondre ce soir. Voilà, c'est fini. C'est ok? Allez, bah écoute, hein, moi j'en reviendrai avec des trucs comme ça, je peux te dire que. Ah, carrément. Quel est notre préféré?
La ventouse, les clés. Oh, les Pringles quand même. Les chips, c'est pas mal. Les Pringles, c'est pas mal. Fais la sauce Pringles. Ouais, ok. Pour les amateurs. Ça marche. Il y en a qui font ça avec des trucs autres, mais. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.